Quand on parle de shonen, que ce soit des mangas ou des animés, les personnages développent des pouvoirs par la force de l'entraînement et de leur détermination pour atteindre tous leurs objectifs. Certains possèdent des pouvoirs héréditaires ou en obtiennent durant certains arcs de leur histoire et enchaînent les power-ups dans les moments désespérés pour retourner toutes les situations. Qu'ils soient justifiés, légitimes ou pas du tout, ces power-ups ont quand même le mérite d'attirer notre attention en nous demandant comment nos personnages préférés vont s'en sortir et ce qu'ils cachent encore comme dernier atout. On peut aussi dire que cette enchère de power-ups au fil des œuvres, entre les protagonistes mais aussi les antagonistes, bouscule toujours un peu plus l'échelle de puissance entre les personnages jusqu'à atteindre dans certains cas des sommets totalement hallucinants. En plus d'offrir des pouvoirs démesurés et totalement stylés, qui offre un renouveau pour certains personnages, on nous offre souvent des transformations totalement cheatées et hyper badass à nous éclater la rétine. Selon les œuvres, bien évidemment, les power-ups ont pu bouleverser le scénario et ses valeurs, parfois pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, en allant trop loin. Et s'il y a bien un manga qui enchaîne les transformations et les power-ups, c'est bien Dragon Ball. Du premier gros power-up avec le Kaioken, du Super Saiyajin 1 jusqu'à la forme Blue, mais aussi d'autres pouvoirs comme l'Ultra Instinct, tout est bon pour justifier un gain de puissance impressionnant et vaincre les ennemis toujours plus fort. On se demande toujours jusqu'où Goku et Vegeta vont bien pouvoir aller, et ce n'est pas pour rien que des fans ont pu imaginer par exemple Dragon Ball AF avec plus de 10 transformations de Super Saiyajin au minimum. Même si les transformations des Saiyajin ont apporté leur lot de personnages stylés, des victoires épiques et surtout des dénouements historique à l'histoire, on peut légitimement se poser comme question, est-ce que les Saiyajin ou plutôt est-ce que le Super Saiyajin a tué Dragon Ball ou pas du tout? Ou plutôt, comment ce power-up simplement a pu chambouler l'histoire et l'essence même du chef-d'œuvre de Akira Toriyama? Ah non, mais je vous jure les amis, c'est vraiment des questions qui font vraiment débat au sein de la communauté de Dragon Ball, entre ceux d'un côté par exemple qui vont plutôt kiffer les débuts de Goku à l'époque où il n'y avait pas de transformation, de surenchère de power-up et tout ça, et ceux qui vont plutôt kiffer la partie Dragon Ball Z où t'enchaînes les surenchères de power-up, de transformation, que malheureusement se concentre trop sur les Saiyajin par rapport à d'autres personnages. D'autres justement vont aussi critiquer le fait que les Saiyajin sont trop mis en avant, qu'on a oublié les Terriens, Piccolo, que d'autres personnages auraient pu être utiles en puissance mais on les a laissés de côté, que les Saiyajin à cause de ça nuisent un petit peu la qualité du récit, son développement, que d'autres au contraire vont dire que les Saiyajin sont la base de Dragon Ball, qu'il fallait les développer, que grâce à eux, la série va dans le bon sens. Aucun des deux côtés pour moi n'a plus raison que l'autre, il y a simplement des arguments qui sont plus valables que d'autres. On va donc du coup analyser la situation de Dragon Ball et Dragon Ball Z dans son ensemble, débriefer simplement un à un tous les arguments pour voir si oui ou non le Super Saiyajin a tué Dragon Ball. Tu peux d'ailleurs toi aussi participer directement dans les commentaires en me disant déjà si tu préfères Dragon Ball ou Dragon Ball Z, et si oui ou non le Super Saiyajin pour toi a nui un petit peu au récit et a détruit Dragon Ball à petit feu ou pas. Et n'hésite pas pourquoi pas à me dire quel est ton personnage préféré de Dragon Ball et ta transformation préférée. Dans cette première partie du manga, les power-ups n'existent pas vraiment. Les personnages comme Goku, Tenshin Han et Krillin s'entraînent toujours plus dur chaque jour pour progresser, vaincre leurs rivaux et prouver à tout le monde qui est le plus fort en remportant pourquoi pas le Tenkaichi Budokai. Il n'y avait qu'une maîtrise basique du ki pour lancer des Kamehameha, des Kikoa, des morceaux du soleil et autres techniques de base comme la danse de l'air. Tout était introduit de façon assez logique et on progresse petit à petit dans les différents arts du combat et les arcs du manga. Les affrontements restaient tous intéressants, fluides, simples mais bien écrits, avec quand même une part de mystère et d'humour et surtout d'improvisation pour prendre le dessus sur l'adversaire. On a aussi eu des arcs vraiment fun à découvrir et dans lesquels on ne s'ennuie quasiment jamais. On prend plaisir à suivre la progression des personnages dans une écriture certes un peu simple, mais très efficace, avec un univers qui s'étend de plus en plus à la lecture. Au-delà de la simple quête des Dragon Ball, on avait quand même des valeurs, des bons personnages et du charisme à quasiment chaque tome. Une histoire qui a marqué tout le monde, autant enfant qu'adolescent ou adulte. Dragon Ball était déjà considéré comme une véritable légende du manga, bien avant de passer à la saga des Saiyajin et donc à Dragon Ball Z. On aurait pu se contenter de s'arrêter sur la victoire de Goku contre Piccolo au Tenkaichi Budokai, et pourquoi pas savoir qu'il a eu un enfant avec Shishi et qu'il continue de s'entraîner de son côté et de sa améliorer. Un Goku qui aurait terminé sa quête champion du monde comme il l'a toujours voulu depuis son premier combat officiel, devenir le plus fort du monde. Surtout qu'à l'époque de Dragon Ball, chaque personnage avait son rôle à jouer et des possibilités pour être le meilleur ou nous impressionner. Chacun avait des atouts dans sa manche, que ce soit Tenshin Han, Goku, Krillin, Kame Sennin, Piccolo, Tao Pai Pai, il y avait quand même de la concurrence et du haut niveau. Et oui, même Yamcha et Shaozu les amis faisaient partie quand même des personnages à un moment donné qui pouvaient nous impressionner à l'époque. On nous a quand même montré des techniques impressionnantes comme le Kiko, le Mafuba, les pouvoirs du vrai Piccolo et de son fils, sans oublier la transformation de Goku en singe géant. On est tous d'accord pour dire que tout était hyper
hyper stylés, tous s'enchaînaient parfaitement bien et qu'on demandait quand même à en voir davantage à chaque combat. Le spectacle était déjà au rendez-vous grâce à l'ingéniosité des personnages et leur expérience qui faisait la différence. La simplicité de Dragon Ball, son humour, son côté fun et sérieux quand il le fallait en ont fait une source d'inspiration sans limite pour les autres mangas. L'entraînement était tout de même la clé et l'essence même de l'œuvre de Akira Toriyama pour apprendre à gagner mais aussi à perdre en continuant constamment de s'améliorer car dans le reste du monde on trouve toujours plus fort que soi. Ce n'est qu'à partir de la saga Dragon Ball Z et l'arc des Saiyajin puis de Namek que la surenchère de pouvoir a bel et bien commencé dans Dragon Ball. Cela donnait accès à des techniques surpuissantes comme le Genki-Dama ou des transformations telles que le Kaioken ou le Super Saiyajin. L'arrivée des Saiyajin et surtout du Super Saiyajin ont entraîné la fin pour beaucoup de personnages passés au second plan, voire totalement inutiles dans les grands moments. Depuis que Goku a éveillé cette forme et que les Trunks, Vegeta, Gohan et Goten ont suivi, on a pu constater que les Terriens en termes de puissance se sont largement fait dépasser et ne pouvaient absolument plus rien faire au combat à part ralentir l'ennemi temporairement. Les Saiyajin se sont imposés comme une race surpuissante avec une poignée d'individus qui ont rapidement explosé les limites de leur peuple entier. Les Saiyajin et leur capacité à progresser au bord de la mort et surtout dos au mur ont laissé tous les autres en retrait, ne laissant le beau rôle qu'au même personnage. Ce qui donne bien sûr une sensation de répétition contre les mêmes ennemis toujours plus puissants avec de nouvelles transformations ou associations de pouvoir du groupe des Saiyajin. Quand on voit par exemple que Krillin, un personnage quand même emblématique de Dragon Ball, ne servait plus vraiment à se battre dans les différents arcs mais plutôt à faire de son mieux au combat en essayant surtout de gérer ses 18 dans l'arc Cell ou de fuir un maximum pour gagner du temps dans l'arc Frieza, on peut trouver dommage qu'il n'ait pas bénéficié pourquoi pas d'un pouvoir surhumain pouvant temporairement atteindre celui de ses amis ou du moins s'en rapprocher. On avait clairement vu chez les Namek que l'éveil de son potentiel ou du moins que l'éveil de potentiel chez les Terriens n'était clairement pas suffisant pour rivaliser avec qui que ce soit. Tenshin Han, pourtant l'un des plus forts dans Dragon Ball, s'est fait détruire par Nappa en quelques secondes et a disparu des radars progressivement pour une pauvre apparition furtive face à Buan. Piccolo est même pour moi l'exemple le plus flagrant dans la mise en retrait des protagonistes de base. Même s'il a bénéficié de deux power-up en fusionnant Nail et avec Dieu, il a finalement été très vite dépassé par Frieza et par Cell, qui ont chacun enchaîné par la suite avec une transformation, ne donnant finalement à Piccolo que quelques secondes voire quelques minutes de gloire en termes de puissance. Il a aussi très vite été dépassé par Vegeta ou Goku, qui se sont soignés sur Namek avant de combattre Frieza ou pendant le combat contre Frieza, puis qui ont continué à s'entraîner et développer leur Super Saiyajin avec le temps, comme dans la salle de l'esprit du temps par exemple, avec Mirai Trunks et Gohan. Les montées de puissance de Piccolo n'ont été finalement qu'anecdotiques dans le manga, et il s'est à chaque fois résigné à être impuissant face aux ennemis et ses amis Saiyajin. Dans cette situation de partage des rôles, t'as d'autres mangas qui sont quand même mieux écrits et mieux gérés à ce niveau-là, pour que chaque personnage puisse avoir sa chance de briller par la force ou peut-être autrement que par la force, là où Dragon Ball finalement est un peu limité et ne va offrir leur chance qu'à une petite poignée de personnages quasiment élus. C'est là qu'on peut peut-être mettre une petite critique au niveau de la pauvreté du scénario, qui finalement n'était peut-être destiné qu'à faire progresser sur le long terme qu'une seule race de personnages en particulier. Dans One Piece par exemple, t'as des personnages qui ne possèdent pas de haki ou d'autres qui n'ont pas de fruit du démon, dans le cas de Zoro qui ne possède pas de fruit du démon, il arrive quand même à progresser, constamment se mettre en évidence et battre de grands adversaires. C'est aussi le cas dans Naruto, t'as des personnages comme Shikamaru qui vont combler leur manque de puissance par leur intelligence et leur expérience pour élever leur niveau et leurs possibilités pour devenir aussi incontournables. Il faut aussi savoir que de base Dragon Ball n'était pas forcément censé aller plus loin que l'arc Namek ou plus loin que l'arc Cell et que c'est l'éditeur en général qui a insisté auprès de Akira Toriyama pour avoir une suite. Et forcément, lorsque tu veux assurer une suite autour d'un animé et d'un manga, il faut aussi assurer le développement marketing et la communication autour du projet. Avec de nouveaux personnages et de nouvelles transformations qui vont alimenter la hype autour du public, t'as aussi des surprises en tout cas qui vont être magnifiques et qui vont mettre pas mal de claques au public, comme le CJ2 de Gohan par exemple. Ce n'est donc pas un mal dans l'histoire d'avoir de nouvelles transformations, dans le sens où on a une progression logique, mais aussi une volonté économique derrière, tout en donnant au public ce qu'il a réellement envie de voir. Les Terriens ont un potentiel très limité et sont déjà allés bien au-delà de leur pouvoir, tout comme Piccolo notamment avec son sang de Namek en étant le plus fort de sa race. La liberté offerte par le Super Saiyajin est telle qu'elle permet en tout cas à l'auteur de ne pas s'imposer de limites et d'avoir des guerriers toujours plus ambitieux et qui vont chercher toujours plus de puissance et le combat. Dans le cas de Dragon Ball, il faut quand même noter que certains personnages apportent autre chose que de la puissance pure et peuvent pourquoi pas par leurs actions engendrer des changements et des apports intéressants. Malgré leurs impuissances, ils apportent tout de même une richesse intéressante à l'œuvre et une autre approche que du combat classique. Ça apporte certaines valeurs et surtout de la variété au récit qui finalement est plus riche qu'il n'y paraît. Dragon Ball c'est aussi un mélange de valeurs et surtout un enchaînement d'événements mineurs qui bouleversent petit à petit le destin du monde. Que ce soit Piccolo et les Terriens,
tous ont accompli leurs buts et objectifs et ne cherchent pas forcément la puissance au fil du temps, mais plutôt à vivre en paix. Si les personnages n'ont techniquement pas d'objectifs ou de choses à raconter, il est tout à fait normal que l'auteur va laisser la place à d'autres personnages plus généreux en possibilités et plus exploitables. Donc ce n'est pas forcément le Super Saiyajin en soi ou les Saiyajins qui ont fini par tuer le rôle des Namek ou des Terriens, mais peut-être leur destin eux-mêmes et surtout leur évolution logique qui était limitée. Bien évidemment, on aurait tous kiffé avoir un personnage comme Piccolo toujours au niveau de Goku et de Vegeta, en dépassant pourquoi pas le stade de simple Namek pour développer de nouvelles transformations et power-up. En termes de puissance pure, on se retrouve donc à ne compter que sur les Saiyajins finalement, leur transformation et leur pouvoir pour progresser, s'unir et terrasser l'adversaire. On nous a aussi démontré dans le manga que seul un Saiyajin peut dépasser un autre Saiyajin. Dans l'exemple où Gohan a surpassé Goku avec la forme SSJ2, ou aussi quand il a dépassé Gotenks en SSJ3 avec sa forme ultime totalement pétée. Le potentiel des Saiyajins est illimité, il est absolument impressionnant pour creuser le fossé avec les autres personnages et forcément surclasser toute la concurrence. C'est encore plus vrai notamment dans Dragon Ball Super avec l'arrivée des formes divines du Super Saiyajin, que ce soit le rouge ou le bleu, laissant de côté bien sûr tous les autres personnages à part Goku et Vegeta qui sont les seuls à pouvoir vaincre leurs ennemis toujours plus puissants. Même si l'arc du tournoi du pouvoir était aussi incohérent que possible, il a essayé quand même de relancer certaines hypes autour de certains personnages mis en retrait, en misant pourquoi pas sur leur technique et leur expérience pour faire la différence, mais cela n'était pas du tout réaliste au vu de l'écart de puissance entre les Terriens et les autres participants. Par contre, Dragon Ball Super a pu apporter une autre certitude, développer un scénario ultra simpliste et bourré d'incohérences, et ne servir finalement que pour le marketing et l'aspect économique. DBS a notamment permis à la nouvelle génération de découvrir l'œuvre de Akira Toriyama, et permis à l'ancienne génération de se replonger dans cet univers toujours plus riche. Que ce soit l'arrivée des dieux, leurs pouvoirs, les différents univers, mais aussi le Super Saiyajin God Red et Blue, ainsi que l'Ultra Instinct, tout cela permet notamment d'impliquer à relancer la hype et de continuer à se refaire de la thune sur une licence toujours plus populaire à travers les générations. On peut du coup largement critiquer le fait qu'aujourd'hui c'est une évidence, il n'y a plus que Goku et Vegeta sur le devant de la scène et que des personnages comme Gohan qui possèdent quand même un potentiel totalement illimité voire carrément supérieur à Goku et Vegeta restera à jamais en retrait, beaucoup trop loin maintenant de son père et de Vegeta, tout comme Goten et Trunks qui à la base avaient un grand rôle à jouer dans l'arc Buu et qui finalement sont totalement oubliés. Et honnêtement, je vous pose une seule question les amis, qui ne s'est pas déjà identifié au moins une seule fois à un Super Saiyajin et ses transformations? Avec un Goku qui n'abandonne jamais en dépassant sans cesse ses propres limites, il est clair que la licence a été une véritable source d'inspiration pour les plus jeunes et pour l'ensemble des générations. Ces power-ups ont été bénéfiques pour la partie économique et la longévité de la série, même si on aurait très bien pu se passer de Dragon Ball Super et son lot de transformations, cela a totalement relancé la hype autour d'une licence qui le mérite bien. La multiplication des spin-offs animés ou des jeux vidéo en est aussi la preuve, car on en veut toujours plus. Il est clair que sans transformation d'envergure, sans power-up, on aurait sûrement fini par s'ennuyer et tourner en rond, avec de simples maîtrises de ki et des combats d'arts martiaux. Le développement des techniques et des transformations ont fait donc basculer l'œuvre de Toriyama dans une dimension considérée comme absolue et la référence mondiale du shonen. Donc oui, les transformations sont bénéfiques mais aussi négatives, mais n'ont pas tué l'œuvre de Toriyama dans son ensemble, ni son essence, ni son récit. Disons que la série et son auteur ont su finalement se transformer pour évoluer, autant que son personnage principal et son public. Et la seule question maintenant qui nous vient pour terminer la vidéo et proposer pourquoi pas une petite ouverture, quelle sera la prochaine transformation de Goku et de Vegeta? En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo qui a été un peu longue, mais je tenais en tout cas vraiment à approfondir l'analyse sur Dragon Ball, sur Dragon Ball Z et la licence en général pour répondre à un débat que je trouve assez intéressant, qui finalement divise la communauté mais peut la rassembler autour d'une même passion, et ça c'est beau. Si vous kiffez mes vidéos et ce genre d'analyse, je vous laisse forcément vous abonner et cocher la cloche, me laisser un gros pouce bleu si vous voulez davantage de vidéos comme ça sur Dragon Ball, Naruto, One Piece et d'autres sujets de manga animé et bien plus encore. Je vous laisserai évidemment me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, TikTok et sur Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.